Le livre d'Agée, chapitre 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agée, le prophète, à Zorobabel, le fils de Shéthiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josac, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous, vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le moût, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shéthiel, Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple, entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agée, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agée, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, « D'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveillera l'esprit de Zorobabel, fils de Shéthiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Chapitre 2. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agée, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shéthiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment l'avez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Josadac, souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez d'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'embraserai les cieux de la terre, la mer et le sec. J'embraserai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius,
la parole de l'Éternel se révéla par Agée, le prophète, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée, et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agée dit, si quelqu'un souille par le contrat d'un cadavre, touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Alors Agée, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel, telles sont toutes les œuvres de leurs mains, ce qu'ils m'offrent là est souillé. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'à 24e jour du 9e mois. Depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé, considérez-le attentivement. Il y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agée, le 24e jour du mois, en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dis, j'embrasserai les cieux et la terre. Je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai. Zorobabel, fils de Shéthiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées.